J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer tout le week-end ensemble. Il est actuellement 10h moins quart et j'ai rendez-vous dans 15 minutes avec Julie par téléphone pour faire notre petite séance de sport. Et franchement, c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Si vous avez un peu de peine à vous motiver à faire du sport, faites-le avec une copine, hein, pas forcément en présentiel, mais en utilisant FaceTime ou ce genre d'application. Donc nous, on l'a déjà fait dimanche passé, je crois, ou samedi passé, et du coup, on a décidé de recommencer ce week-end. Enfin bref, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Venez également me suivre sur Instagram pour me suivre au quotidien. Du coup, je vais préparer un petit peu le setup, le salon, histoire que vous puissiez y me voir et voir comment j'installe mon téléphone pour faire mon sport avec Julie. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, du coup, je suis au téléphone avec Julie. On va s'y mettre tout de suite. On a choisi deux vidéos. Une vidéo Best of It Workout et puis une vidéo fessiers et abdos, donc de Pamela. C'est parti. Oh my god. On vient de finir la première vidéo, on enchaîne directement avec la deuxième vidéo. Terminé. Du coup là il est 11h, je vais préparer mon petit smoothie et puis je vais rappeler Julie pour qu'on discute un petit peu. Alors je commence par mettre une banane, ensuite je mets une cuillère à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à café de miel, je mets ensuite du lait de soja. Et ensuite, je passe le tout au mixeur. Bon, j'ai aussi un blender à la maison, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, il est 11h45. Je vais aller prendre ma douche et ensuite, on va prendre le petit-déj. Voilà, la douche, c'est fait. Je vais encore prendre 2 minutes pour nettoyer mon visage. Et j'utilise ma nouvelle brosse pour nettoyer le visage. On commence par humidifier notre peau. Ensuite, on passe la tête sous l'eau. Hop, j'ajoute une petite noisette du produit nettoyant. Et c'est parti, ça dure 2 minutes. J'enchaîne ensuite avec mon sérum Ojiseng de chez Herborian. Maintenant que j'ai la peau toute propre, j'adore cette nouvelle brosse nettoyante. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations concernant la brosse, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires de cette vidéo, soit en DM Instagram. Et je termine avec ma crème pour le visage de chez Yves Rocher. D'ailleurs, j'en ai trouvé une nouvelle qui sont exactement la même chose, de la même marque que la brosse nettoyante. J'attends juste d'avoir fini ce pot pour tester la nouvelle. Voilà, go préparer le petit-déj.
je suis en direction de la Migros pour faire une petite course rapidos. Voilà, j'ai fait mes petites courses hein, parce que demain il y a Cynthia et Chris qui viennent prendre le petit déjeuner et ils vont nous poser leur petit chat pour qu'on le garde pendant une semaine. J'ai trop hâte. J'ai hâte de voir aussi comment ça se passe avec Silver parce qu'il a encore jamais vécu avec des autres chats. Enfin si, quand il était tout petit, mais depuis qu'il est ici, il a encore pas vu d'autres animaux. Donc j'espère qu'il va bien se comporter. Ce sera un premier essai par rapport au fait qu'on va prendre un nouveau petit chaton cet été. Et maintenant je vais me préparer parce qu'on va d'ailleurs manger chez Chris et Cynthia ce soir pour une crêpe party. Donc là il est 5h moins quart, il faut qu'on parte vers 5h30. Donc je me prépare et c'est parti. Je commence par mettre de la crème solaire. N'oubliez pas les amis, c'est hyper important. Protéger votre peau, vraiment. C'est super important. Bon, alors j'allais mettre ma CC crème, mais finalement je crois que je vais laisser ma peau respirer. En plus avec la crème solaire, ce sera mieux. Je mets mon mascara. Du coup, en fait, je vais à peine me maquiller. Ça va me prendre 10 secondes. C'est le mascara qui vient de chez Martine Cosmetics. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo crash test où je teste plusieurs produits. Hein, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, et je termine avec les lèvres. C'est un trop beau rouge à lèvres de chez Guerlain. Je suis navrée, je ne sais absolument pas le nom du rouge à lèvres. En plus, l'écran ne va pas forcément avec le rouge à lèvres. Enfin bref. En tout cas, il y a un petit miroir intégré. C'est trop cool. Voilà, je suis prête. Bon, vous voyez pas très bien, mais j'ai toujours ma petite combi, petite veste en jean. On se retrouve dans la voiture. À tout de suite. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Je vais me démaquiller avec les petits cotons de chez Coutures & Co. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous avez moins 10% avec le code SARA10. Hop, j'utilise mon nouveau démaquillant. C'est une lotion biphasée, d'ailleurs il faut que je la secoue. Hop, il est trop bien. Si jamais, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'est la même marque que la brosse nettoyante. Voilà, donc ensuite on les passe à la machine, c'est hyper top. Et je termine avec mon sérum Ouyuza de chez Herborian. Et ma crème de nuit de chez La Neige. Je vous l'ai dit plein de fois, mais elle est incroyable. Je suis prête et je vais directement aller me coucher parce qu'il est quand même 1h du matin, même plus je pense 1h30. Je vous laisse et on se retrouve demain. Bonne nuit. Thank you.
bien dormi. Franchement, j'ai trop bien dormi. Il est 9h30, du coup je suis pas hyper dans les temps, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous faire un bref plan de la journée, ensuite on va s'y mettre. Aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit hier, il y a Chris et Cynthia qui viennent prendre le petit-déj. On va faire un petit brunch comme d'habitude. Et ils nous amènent leur petit chaton Stitch. J'ai hyper hâte. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc, pour ce matin, ce sera préparation du petit-déj. On va faire des gaufres. Je vous mettrai la recette. Et pour cet après-midi, ben, rien de spécial, on va jouer un peu avec le chat, enfin avec les chats du coup. Je vais faire quelques lessives et puis ben, on va préparer la journée de demain tranquillement. J'ai aussi un petit truc à faire pour le boulot. Enfin bref, du coup, je vous laisse tout de suite avec la préparation du petit-déj. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de farine, 30 g de sucre, 20 g de beurre, 3 œufs, 25 cl de lait et une pincée de sel. Mis la table, j'ai préparé ça comme ceci parce que je sais pas trop si on va manger dedans ou dehors. Du coup, je vais aller me poser sur le balcon et profiter avec le chat parce que du coup, pendant une semaine, il pourra plus aller sur le balcon parce que Stitch n'a pas le droit de sortir.
16h, il y a tout le monde qui vient de bouger, même Seb, du coup, je suis toute seule avec les deux chats, je suis trop contente. Hop, ils sont juste là, ils sont trop chauds. Enfin bref, du coup, il est 16h, j'ai grave la flemme de faire des lessives, mais du coup, je vais commencer par ça. Le plan, c'est descendre, mettre une lessive, me poser tranquille sur le balcon avec une série. Du coup, c'est parti. Pouvoir aller préparer le dîner au menu gratin de courgettes. C'est parti! Alors, pour le gratin de courgettes, vous aurez besoin de 4 courgettes, 300 g de viande hachée de poulet ou de bœuf, comme vous voulez, 2 oignons, une boîte de tomates pelées concassées et un sachet de gruyère. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Venez aussi me suivre sur Instagram où je poste un maximum mon quotidien. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.